Je suis dans cuisine formation et en découvrant les différentes cultures de saveurs, j'ai eu envie de connaître l'accompagnement qui était les vins. Et puis ce qui était dans un premier temps accessoire est devenu principal depuis. Et aujourd'hui, je vois mon métier et ma vie à travers le monde du vin. Et à travers les vins, j'imagine les plats, les saveurs et les rencontres gourmandes qui peuvent se marier au mieux. Et lorsqu'on ouvre une bouteille de vin, c'est un peu de la poésie, c'est un peu de l'air, c'est un petit peu la nature de ces différents pays, de ces différentes cultures que l'on rencontre. Et on a un grand atout dans notre métier de sommelier, c'est justement le choc gustatif. J'adore les sushis, lorsqu'ils sont juste parfumés avec un petit peu de réfort, par exemple. Et ça, avec un vin blanc méditerranéen, dans l'esprit d'un vin blanc corse, par exemple. C'est un mariage que je trouve extraordinaire, un patrimonio par exemple, qui est un cru du nord de la Corse, avec sa vivacité naturelle, son côté minéral, grâce à cette texture calcaire de son sous-sol, à la fois une rondeur, une ampleur caressante, empreinte d'une vivacité en finale qui va se marier merveilleusement sur, par exemple, un thon cru à la japonaise, en sushi, c'est extraordinaire. C'est un métier qui rassemble à la fois les gens, les produits et les cultures. Et moi, j'ai la chance de vivre dans cet univers et d'essayer de faire partager cette passion au plus grand nombre. Ça, c'est la plus vieille bouteille de la cave. Ça, c'est Château Mission Aubryon, 1893.